Salut à tous. Une vidéo que je voulais pas faire parce que je comptais me reposer pendant 2 jours et pouvoir travailler tranquillement sur certains projets que j'ai en route. Et malheureusement, j'ai appris que le projet auquel je participe a décidé de détruire la chaîne suite à des messages, dirons-nous, qui sont du niveau du pénal. Laissé malheureusement sur la chaîne de Seb à la Actualia, qui malheureusement n'a pas pris en compte suffisamment tôt qu'il fallait modérer a priori les commentaires. C'est quand même dommage d'en arriver là et ça me fait chier, mais moi je pense que je vais bientôt clore les commentaires sur mes vidéos jusqu'à nouvel avis. Ça me fait chier d'en arriver à ce point-là, mais voilà, c'est tout quoi. On ne peut plus maintenant, au nom d'une forme, dirons-nous, complètement dénaturée de la liberté d'expression, dire quoi que ce soit. On laisse tout dire et n'importe quoi, et on arrive à la négation même de la liberté d'expression, qui devient un laisser-dire. Parce que, désolé, même si Sébastien a mis de la bonne volonté, la bonne volonté ne suffit pas. Je dois dire quand même que j'ai fait pas mal de modération sur ma chaîne parce qu'il fallait un moment le faire. Apparemment, il y avait des commentaires d'Antoine D, alias anciennement Capricorne Capricieux, qui auraient été, dirons-nous, limite avec des accusations dignes du pénal, à ce que j'ai compris. Désolé, moi, mais maintenant, quand on voit Monsieur Christophe, alias Easy First Computer, qui balance des insultes à tout, à plus savoir qu'en faire, qui détruit ses vidéos, qui se tire sur BitChute et compagnie parce qu'il a eu à payer le retour de ses actes, je m'excuse, mais Christophe, tu n'as peut-être pas tout payé encore. Je me fais une simple remarque sans aucune menace, mais je pense que si tu continues un jour, tu vas tomber sur des personnes largement plus connes comme nous. Et tu le paieras beaucoup plus cher. Ce n'est pas une menace, c'est juste un constat. Quant à Micromégas, sache une chose, tu commences sérieusement à me casser les noix. Déjà, tu as des insultes, énorme paranoïaque, mal paranoïaque, moi je m'excuse, la paranoïa est une maladie mentale, donc ça c'est l'exercice illégal de la médecine. Tocard, donc je m'excuse Micromégas, si c'était des propos que tu tenais en public, tu aurais des emmerdes. Voilà. Donc, maintenant, sachez que je vais sûrement clore les commentaires sur ma chaîne pour une période indéterminée. Sébastien, moi je t'avais dit que le problème c'est que tu ne fais pas de modération a priori. Je sais, c'est chiant de faire une modération a priori, c'est long, ça tue l'interactivité, mais il n'y a pas autre choix. Il faut que tu fasses la putain de modération a priori. Voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est ça. Maintenant, je n'en veux pas, Sébastien. Je considère que tu n'as pas compris les dangers des trolls sur YouTube. Tu mets de la bonne volonté, ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, il faut arrêter une bonne fois pour toutes. Tu ne pourras plus gérer ça sans faire la modération a priori. Voilà, donc là, j'ai fait cette vidéo en vitesse. Je m'excuse qu'elle soit complètement inintéressante, mais il faut vraiment en parler. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!